Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme de trading qui s'appelle, je pense que vous connaissez peut-être, qui s'appelle BitGet. BitGet. Alors, qu'est-ce que BitGet? Tout simplement une plateforme où vous pouvez tout simplement acheter des cryptos, vous pouvez trader sur le futur, trader sur le spot, faire du spot grid trading. Vous pouvez faire du copy trade, vous pouvez faire du staking, épargne. On peut voir que vous pouvez faire aussi du launchpad, qui est très intéressant, et du launch pool, où vous mettez de certaines sommes que vous mettez en jetons, et ensuite vous stakez, et ça vous ramène des BTC, enfin des fractions de BTC chaque jour. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler. Je me suis inscrit sur cette plateforme surtout pour le copy trading. Alors, qu'est-ce que le copy trading? Le copy trading, c'est tout simplement, vous avez des traders qui sont inscrits sur la plateforme et vous allez tout simplement leur allouer un certain capital, le montant que vous voulez, vous leur allouez et eux vont trader avec votre argent et ensuite vont vous rapporter des gains. Ils peuvent très bien perdre, donc vous faire perdre de l'argent aussi. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Et ils vont tout simplement, s'ils sont gagnants, vous prendre un pourcentage sur vos bénéfices. C'est-à-dire généralement, c'est à peu près 10% qu'ils vous prennent. Voilà. Mais l'avantage, c'est pas vous qui tradez, donc vous pouvez laisser faire ça à des professionnels. Et leur intérêt, évidemment, c'est de gagner de l'argent, puisque en fait, c'est comme ça qu'ils se font beaucoup d'argent. C'est quand des personnes mettent des montants sur la. Plus ils ont un gros montant et qu'ils ont des trades gagnants, plus ils vont gagner tout simplement de l'argent. Voilà ce qui en est pour le copy trade. Maintenant, je vais vous raconter un petit peu. Je me suis inscrit il y a à peu près une dizaine de jours sur la plateforme et j'ai donc commencé à allouer un montant de 200 euros sur un trader qui d'ailleurs était très bon. Mais malheureusement, je n'avais pas paramétré en fait du tout et le trader avait vraiment carte blanche à 100% et il avait fait un peu de cross-merging et il m'a tout simplement cramé tout mon compte parce qu'il a été chercher dans en fait le capital que j'avais même en dehors sur la plateforme mais en dehors des futurs pour tout simplement continuer ses trades. Je n'avais pas du tout paramétré. Voilà. Donc la leçon m'a bien servi et en fait il y a donc deux choses qui sont vraiment les plus importantes. C'est la première chose, c'est tout simplement de bien choisir son trader. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de bien paramétrer en fait le compte avec le trader. Voilà. Donc on va aller un petit peu regarder. Donc pour s'inscrire sur BitGet, c'est vraiment très simple. Hein. Vous n'avez même pas besoin de KYC. Vous allez tout simplement. Je vous laisserai un lien si vous voulez vous inscrire. Et en plus, vous avez un certain pourcentage de frais en moins avec ce lien. Et vous pouvez tout simplement vous inscrire sans KYC avec votre téléphone ou avec votre adresse mail. Vous aurez besoin d'un KYC uniquement si vous achetez de la crypto avec la CB ou si vous faites par exemple du staking ou du launchpad ou launch pool. Là, vous aurez effectivement ou les tournois de trading, vous aurez besoin. Mais pour le copy trade, vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc, on va aller cliquer sur copy trade. Et là, vous allez voir apparaître en fait pas mal de traders. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont complets. Mais je ne vous conseille de pas forcément les choisir par rapport à leur ROI. Là, vous voyez son ROI de 1635 euros. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, parce que ça veut rien dire, hein. Il faut tout simplement aller sur ce petit onglet ici. Et là, vous allez pouvoir choisir. Vous choisissez par rapport au profit total, par exemple, de la personne, de son ratio de gain de perte, de son taux de réussite sur les 3 dernières semaines. Vous pouvez aussi cliquer si vous voulez que ça soit haute fréquence, stable, basse fréquence, court terme, agressif. J'ai pas cliqué, par exemple, j'ai pas mis. Si vous voulez qu'il soit localisé, proche de chez vous, même région, même pays, s'il est vérifié. Sur quoi le trader trade. Voilà, vous faites confirmer.
Voilà. Et là, vous allez avoir un nombre, vous pouvez descendre et vous allez sur suivant, vous avez un nombre important. Tout simplement, on va cliquer dessus. Et après, il faut tout simplement fouiller. Alors, on va regarder par exemple Dédé, qui a 436 abonnés sur 500. Voilà. Donc, on va analyser un petit peu Dédé. On peut voir qu'il trade à haute fréquence, qu'il est stable et il fait du court terme. Son ROI, c'est 538%. Il a fait 8 595 trades. Il y en a 7 490 gagnants et 1 105 perdants. Le ratio est correct. Il a eu 9 099 abonnés et un retour d'écum de 24 653 dollars. Voilà, il trade sur 9 paires. Sur les 9 paires ici, vous voyez qu'il trade sur les 9 paires. Ensuite, là, c'est très important, ne restez pas sur, quand vous voyez les graphiques, sur 7 jours. Je vous conseille d'aller sur un mois. Comme ça, vous verrez bien l'évolution. Et là, aïe, on voit que depuis le 2-11, ça baisse un peu. Voilà. Ici, revenu total, on va aller sur un mois. C'est pareil. Le 2-11, il a eu des grosses pertes, il a dû se gaufrer. Voilà, donc là pour l'instant, vous voyez par exemple sur le graphique, pas forcément bon d'aller aujourd'hui dessus. C'est pour ça qu'il a dû perdre des abonnés, je pense. Ensuite, là on peut voir qu'il fait beaucoup sur le TH. On va aller sur un mois pour voir sur quoi il trade. Alors, en moyenne, il fait moitié BTC, moitié ETH. Au niveau des durées de la position, on peut voir là, hein, les pertes. Profit, on va juste regarder. Ouais. Donc là, c'est à vous de regarder aussi. Ça, tout regarder tout sur un mois, c'est plus judicieux. Voilà. Alors là, il a fait un gros volume de trading aujourd'hui. Ouais, un gros. Il a voulu rattraper. En tout cas, aujourd'hui, non, c'est le 2-11 où c'est apparemment le 2-11, il s'était un peu planté. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de bien tout regarder, mais c'est pas fini. Ensuite, vous allez regarder les ordres, vous allez cliquer sur ordre, et là, vous allez regarder, vous pouvez voir tous ces trades. Là, il est en train de rattraper, apparemment. Voilà, tous les trades gagnants. Et là, ouais, il y a un petit peu les trades perdants. On va cliquer encore dessus. Ouais, oula, ouais. Le 2, ça c'était aujourd'hui, ouais, beaucoup. Là, il essaie d'en train de rattraper. Voilà, ouais, il y en a qui se sont mangés des grosses pertes. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Vous allez voir après, il faut paramétrer parce que là, ça peut être chaud. Bon, là, il rattrape un peu, hein, mais ça peut être chaud. Donc, il fait du effet de levier. Apparemment, lui, fait du x30 sur du court x30. Voilà. Ensuite, les abonnés. Vous pouvez cliquer sur abonnés, ils vont vous donner les 50 meilleurs, ceux qui ont plus de capitaux sur son compte. Vous voyez qu'il y a quand même du jour. Hein. Il y a une personne qui a 727 608 euros sur le trader et il lui a fait gagner 50 174 euros. Voilà. Ce qui est pas mal du tout déjà. Voilà. Sur 727 000, mais ça aurait pu même être. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça aurait pu être mieux quand même. Donc, voilà, c'est à vous de bien regarder. On va aller juste voir mon trader pour vous montrer comment. Donc, vous allez dans mon copy trade. Ensuite, vous avez ici, une fois que vous l'avez choisi, vous verrez ici que tout est. Cliquez sur la petite encoche et là, donner copy trade. Donc là, vous allez sur mon trader. On peut voir, vous voyez, là, il m'a fait comme profit 366 dollars en sachant que j'avais perdu 200. C'est pas lui, hein, sur l'ancien, j'avais perdu 200. Et là, j'ai mis que 100 dollars. J'ai mis que 100 dollars, je me retrouve avec 366 dollars pour l'instant. Il n'a fait que des trades gagnants. Il n'a pas encore fait de trades perdants.
mais je l'ai aussi paramétré. Donc on va regarder un petit peu ça. Pour paramétrer, c'est très simple. Vous allez sur éditer ici. Et là, vous pouvez paramétrer pour un petit peu mettre plus de sécurité. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai mis BTCETH. Il fait uniquement ces deux-là. Voilà, sa spécialité, c'est ces deux-là. Donc, le BTC, l'ETH. Donc, tout simplement, moi, j'ai laissé, mais c'est là vraiment le plus important. Je vous conseille vraiment de mettre 2%, voire 5% de tout le capital que vous avez sur Bitgate, ce que vous voulez investir. Donc, là, moi, j'ai mis 50, j'ai mis plus, moi, j'ai mis à peu près 10%. À peu près 10% de mon capital, mais je vous conseille de mettre entre 2 et grand max 10%. Voilà, donc j'ai mis 50 USDT. Si vous avez 5000, et ben vous mettez peut-être, si vous voulez mettre 10%, vous mettez 500, mais même si vous mettiez 200, ça serait déjà mieux. Voilà, entre 2 et grand max 10%, mettez. Si vous mettez tout le capital et qui fait du cross-merging, il va tout vous manger, il va vous prendre. S'il a un trade perdant, il va aller chercher ailleurs, il n'y aura plus rien, c'est fini pour vous. Donc il vaut mieux avoir qu'il puisse en fait aller chercher d'autres tranches de 50 pour aller chercher et rattraper tout simplement s'il est dans une phase où il y a des trades perdants. Voilà, donc vraiment le grand maximum mettez 10%. Et là, vous avez le stop loss et le take profit. Donc moi j'ai mis 52%, ce qui est déjà beaucoup, mais j'ai mis 52% de stop loss. Ensuite, ratio de prise de profit, j'ai pas touché, j'ai laissé, il peut aller vers le haut, ça me dérange pas. Voilà, donc on va faire suivant. Et là, vous avez un récapitulatif et on fait confirmer. Et là, il est paramétré. Voilà, tout simplement. Voilà pour Bitgate. Eh bien, je vous rappelle que c'est vraiment quelque chose de très risqué, mais vous pouvez gagner vraiment de l'argent, mais très très rapidement, faire des 100% de ROI très rapidement. Vraiment, le premier conseil que je vous dis, c'est de bien paramétrer et dès que vous avez des gains, retirez l'argent. Retirez l'argent, faites break-even, retirez l'argent, vous avez des gains. Retirez, dès que vous avez retiré votre capital de départ, vous êtes tranquille. Après, vous pouvez retirer un petit peu s'il continue à faire des gains. Retirez chaque semaine ou chaque jour en fonction de ce qu'il trade. Mais retirez, retirez parce que ça peut arriver que ça revienne à zéro, il vous crame tout. Voilà, donc vraiment la première chose c'est de bien paramétrer, de bien choisir le trader, bien paramétrer et ensuite de retirer ses gains assez rapidement, de ne pas être trop gourmand et d'essayer de retirer son capital de départ déjà en première phase. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Telegram et que je viens d'ouvrir et un Discord où on peut papoter et je peux vous expliquer tout simplement un peu les stratégies.